Bye. <laughs> Bonjour, j'accueille aujourd'hui Farida Arras, la sœur Ali Arras, qui a été extradée, kidnappée, torturée au Maroc et pour lequel la Belgique ne fait rien. Et donc, on va, voir, on va vous présenter le cas pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Avant d'interroger Farida, je voudrais remercier tous ceux qui ont mobilisé, qui ont participé. Pour le, la pièce, le, le grand débat que nous avons fait sur les Gilets jaunes à Paris. Je vous remonte l'affiche un instant. On était 300 personnes autour de Étienne Chouard, Robert Charvin, Priscilla Ludowski, François Boulot. Et on a eu un débat passionnant sur justement la diabolisation médiatique des Gilets jaunes. Ça a été filmé. Inscrivez-vous à la newsletter d'investigation pour être tenu au courant quand la vidéo sera disponible. Et on est en train de réfléchir à faire un livre sur justement les médias et les gilets jaunes. Si vous pouvez donner un coup de main, ça va être un gros travail, mais je crois que ce sera un instrument utile. Euh, Écrivez-nous à euh, l'adresse de l'émission qui apparaîtra au générique à la fin. Voilà, je me tourne vers Farida maintenant. Et pouvez-vous expliquer aux gens qui ne connaissent pas l'affaire, qui est Ali Aras, votre frère Alors Ali Aras est un citoyen belgo-marocain. Mm -hmm. Qui, euh, qui est né à Melilla, c'est une petite enclave espagnole dans le nord du Maroc. Oui. Euh, il y a vécu pendant 15 ans avant de venir rejoindre notre mère, qui vivait déjà, il travaillait déjà en Belgique. Mm -hmm. À l'époque, c'était en 1977. Euh, donc, depuis lors, il a toujours vécu en Belgique. Et il faisait quoi en Belgique Alors, il a commencé par travailler immédiatement, donc, il n'avait que 15 ans. Mmh. Oui, il avait euh, refusé donc de... La famille est originaire de quelle région du Maroc Melilla. Oui, on est originaire de l'Espagnol. On est des Berbères, donc orig... mmh. originaire de là. Et, euh, et donc Ali, quand il est venu ici, euh, il avait refusé de, de se mettre aux études, sachant que notre mère travaillait déjà. Pour Prendre en charge, notre grand-mère qui était restée à Melija mais également sa sœur qui était divorcée et qui avait des enfants à charge. Donc, du coup, il avait décidé d'entreprendre, de, donc de travailler immédiatement mm -hmm. et de l'aider euh, à assumer, à subvenir aux besoins de, de l'ensemble de la famille. D'accord. Il y a travaillé donc pendant 28 ans en Belgique. Mm -hmm. euh, en 89, il obtient sa nationalité belge. Mm -hmm. En 93, il est appelé pour faire son service militaire. Donc, il doit fermer. Euh, sa papeterie, il avait une papeterie, donc il a dû la fermer et, euh, et aller faire son service militaire. Il reprend son affaire après. Donc il a travaillé en Belgique jusqu'à euh, jusqu'en 2005, mm -hmm. année euh, dans la, donc la, c'était l'année à laquelle il avait décidé de retourner vivre auprès de mon père à Meligia. Donc on est des parents divorcés. Mon père était resté à Meligia, ma mère était venue mm -hmm. travailler en Belgique. On avait toujours gardé des très bons contacts avec les deux. Et donc euh, très attaché à son père, il, il a décidé de retourner là-bas auprès de son père avec son épouse. Mm -hmm. Et en 2005, donc naît euh, la petite Amina. Oui. Et euh, et en 2006, Ali va être arrêté une première fois. Donc ici, elle est avec son papa. Oui, elle a deux avant ans. Avant 2006, forcément, elle a deux ans ouais. et c'est à peu près les dernières photos où on les voit ensemble. Alors. En 2006, donc il avait un, même pas un an en fait mm -hmm. quand il était arrêté. Une première fois, auditionné par euh, les autorités espagnoles à Madrid. Mmh. Euh, il s'en suit à non-lieu. Et on lui reproche quoi Alors à ce moment-là, on ne sait pas vraiment. Il est interrogé par rapport à un trafic d'armes. Donc les, les questions sont portées essentiellement sur ça. Et bien entendu, il n'y a aucune preuve contre lui. Donc il est relaxé, mais euh, sous caution. Et il est, euh, il est obligé de rester sur le territoire espagnol parce qu'il doit se présenter toutes les semaines au tribunal mmh. euh, signer un document qui lui est euh, présenté chaque semaine donc sur... et là donc une... 2005 2006 on est dans la période où il y a eu des attentats à la gare de Madrid euh, oui, et mais à, ce à Londres pas, et pas de ça, donc on il est, il est dans question... un certain climat oui effectivement oui oui c'est pas de ça qu'il est question oui. mais je veux dire on est oui. dans un certain climat euh, ça. de parano tout à fait mmh. et donc euh... et donc il y a eu une enquête il y a eu un jugement en Espagne oui et donc il y a un non-lieu qui est prononcé mmh. Mais le Maroc, qui est à l'origine de cette demande d'arrestation de, de, de mon frère, insiste qu'il faut euh, donc l'arrêter et l'envoyer, le, donc l'extrader au Maroc. Mmh. Et l'Espagne va procéder à une seconde arrestation qui aura lieu le 1er avril 2008. Mmh. Euh, L'Espagne, selon la loi, donc, attend de recevoir les preuves de cette demande d'arrestation par le Maroc. Mmh. Donc il y a 40 jours apparemment de, de détention provisoire qui vont s'écouler sans recevoir de preuves de la part du Maroc. Il n'y a rien qui vient. Rien qui vient, mais qui insiste quand même pour que mon frère soit extradé. Alors l'Espagne, bien entendu, se retrouve, euh, sous, euh, dans, à mon avis, je, je pense, hein, que se retrouve dans une situation périlleuse dans laquelle euh, il veut faire plaisir au Maroc, mais en même temps, il sent bien que euh, c'est illégal ce qu'on lui demande de faire. Et donc, vont se réunir, le conseil des ministres se réunissait chaque vendredi. Nous, en parallèle, on menait pas mal d'actions. La plateforme de, de, de soutien espagnol euh, se réunissait aussi régulièrement que mmh. possible pour décourager, démotiver cette décision d'extradition. C'est là qu'on voit, je crois, des... Ça, ça vient un tout petit peu euh, plus tard. tard ici en Belgique. Mmh. Mais là-bas, en Espagne, donc, il s'est mobilisé énormément pour éviter justement cette extradition qui finira donc, malgré le fait qu'au mois de mars 2010, le juge Balthazar Garçon... Oui, le après, célèbre juge oui, qui est très connu, exactement, euh, qui a après, mené des enquêtes sur le terrorisme, justement, en Espagne, oui. et ensuite euh, qui s'est illustré en, en essayant de faire extra des Pinochet, de faire juger Pinochet, exactement. en prenant parti pour jouer l'insange, donc c'est quelqu'un de très connu. Oui, et très connu, et comme la étant quelqu'un d'extrêmement rigoureux et très mmh. sévère par rapport... Euh, euh, à la lutte antiterrorisme et, euh, et donc lui va prononcer un non-lieu et euh, simultanément donc enfin un peu plus tard quand toujours l'Espagne est dans cette décision de l'extrader euh, il y a le Haut Commissariat de l'ONU qui euh, demande euh, incessamment sous peu qu'on suspend donc cette idée de mmh. l'extradition pourquoi pour les risques avérés donc de torture. Parce que dans, dans les prisons marocaines, on Tout torture. Tout à fait. Donc, même si on, on, on prétendait le contraire, mm. il, était, il y avait des preuves que le Maroc torture. Et, et la, donc, à ce moment-là, l'Espagne va procéder le 14 décembre 2000, 2010 à l'extradition illégale de mon frère au Maroc. C'est du kidnapping, en fait. Ouais, exactement. Le mot est très bien choisi. Mm. Ali aussi choisit ce, ce terme-là. Et, euh, et donc, euh, immédiatement après euh, qu'il est arrivé au Maroc, on l'amène vers, vers le centre de torture de Temara. Oui. Et et il a il réussi sera... à faire, euh, à faire euh, des croquis. Est-ce que vous pouvez expliquer Je m'excuse pour euh, ouais, les personnes qui regardent, c'est choquant, mais je crois que la réalité étant, euh, il, il faut la connaître. Et donc, ce sont des... Alors, ce ne sont pas tous les croquis, parce qu'il y en a énormément à faire, mais il, a, il y en a tiré huit qui nous avait fait passer quand il était en prison à Salé 2. Et ça, là, il relate en fait des différentes postures, mmh. euh, les positions dans les lesquelles les positions on lui les fait souffrir. Il a été mis euh, lors de sa torture, donc au centre de torture de Témara, dans les sous-sols de, de ce centres. Voilà le régime marocain. Une deuxième image euh, dure également, mais voilà, les gens doivent savoir ce qu'on fait euh, dans les. Euh, pays, les dictatures amies de la Belgique. Ouais. Effectivement, c'est bien de signaler, de bien souligner que le, la Belgique maintient des relations très étroites avec euh, le Maroc. Donc, euh, Alors justement, je voudrais qu'on vienne là-dessus, euh, puisqu'il était euh, ici en Belgique, qu'il avait passé sa vie en Belgique, euh, la famille, vous, vous avez protesté, vous avez demandé que la Belgique fasse quelque chose. Comment ça s'est passé fait. Ici, j'ai montré le ministre Renders qui était en... Fonction euh, durant cette période. Oui, je pense que c'était en 2012 qu'il mmh. a commencé à. Si je ne m'abuse. Mais avant lui, il y avait également Stéphane Van qu'on oui. avait interpellé. Et même avant, donc on avait interpellé le ministère des Affaires étrangères lorsque mon frère était en détention en Espagne mmh. pour qu'ils ils interviennent parce que mon frère avait déjà mené trois grèves de la faim pour protester, pour dénoncer cette détention arbitraire. Mmh. Ils n'étaient pas entendus, nous n'étions pas entendus. Et, Et donc, euh, Renders, il dit quoi Renders Renders, par exemple, bon, ben, depuis le départ, c'est euh, nous n'intervenons pas pour un citoyen ayant la double nationalité lorsqu'il se trouve dans le pays de sa deuxième nationalité. Donc, c'était un argument apporté quasiment tout le long pour justifier leur non-intervention. Leur, leur non Mais justement, il ne se trouvait pas au Maroc. Quand qu il se, se trouvait en Espagne, en Espagne. On, trouvait, on avait un autre argument, c'était... Euh, il se trouve dans une prison en Espagne, qui est un pays faisant partie de la communauté européenne. Les conditions de détention sont respectueuses des normes, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et de toute manière, nous ne ferons pas d'ingérence à la justice espagnole. Mais euh, on voit que les prétextes varient. Oui, Le fond leur... du problème de la Belgique, c'est quoi Ils veulent protéger. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas intervenir parce qu'il y a des enjeux, apparemment, et que. On, on préfère voilà ne pas froisser le Maroc. Et ça, ce sont des propos tenus par le consul belge de Rabat qu'on avait été voir mmh. euh, lorsqu'on lui demandait qu'on voilà, qu aurait bien aimé qu'il vienne nous accompagner jusqu'à la prison, essayer de rendre visite à mon frère et qu'à partir de là, on aurait, nous, vraiment un message concret à apporter à l'opinion publique, c'est-à-dire mmh. que le consul a vraiment fait l'effort de venir jusque. J'avais été, été accompagné de Luc Verbat, Ver, Verbat et, mmh. euh, et il, peut, euh, il peut certifier ce que j'avance, c'est qu'il nous avait dit, euh, en aucun cas, nous ne froisserons donc le Maroc. Nous avons d'excellentes relations avec le Maroc et en aucun cas, nous ne le froisserons. Ça veut dire le business au-dessus de la justice voilà, Exactement. Okay. Je regarde si nous avons des questions par rapport ou des remarques. Euh, courage pour cette épreuve, Farida. Euh, on attend avec impatience la vidéo sur les Gilets jaunes. Oui, inscrivez-vous sur la newsletter, vous verrez. Voilà, beaucoup de commentaires euh, sur Melija aussi. Euh, voilà, des commentaires au début sur notre débat avec... Euh, voilà, Agnès qui dit quelle horreur, ça me rend malade, c'est croquis, je n'imaginais pas ça au Maroc. Oui, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut faire savoir. Euh, le Maroc... Euh dans les euh, images euh, qu'on a, c'est euh, Marrakech, oui. c'est le tourisme, c'est la belle ville, c'est les... BHL dans son palace. Moi j'ai découvert et le donc... Maroc à travers l'affaire de mon frère et je m'entends vous dire que je ne le vois pas du tout du même œil qu'un touriste. Hein. Voilà. Je, je l'ai découvert euh, malgré moi. Je, je suis de Melilla, on a vécu 14 ans, mmh. moi 14 ans, mon frère 15 ans, donc on est venu. Euh, à, euh, Rejoindre notre mère en Belgique. Mm -hmm. Donc, nous n'avons jamais vécu au Maroc. On était chez les nonnes, en fait. On avait été élevés par des nonnes catholiques. Et, euh, et donc, arrivé ici en Belgique, jamais je me serais imaginé qu'un jour euh, on vivrait une telle, euh, une telle épreuve. Mm -hmm. et, euh, et découvrir le Maroc euh, sous un tel angle de vue, je m'entends vous dire que, que c'est vraiment horrible. Horrible. Ça, je peux, je peux imaginer. Donc, chacun doit faire l'effort de voir derrière le tourisme et le plaisir et la détente bien méritée qu'il y a des gens là-bas qui le payent très très cher pour des business qui sont honteux et que la Belgique couvre. Bon, on va avoir des élections bientôt en Belgique. C'est le moment d'y penser aussi. Renders, je peux ajouter personnellement que c'est quelqu'un qui avait dit qu'il fallait euh, élever une statue aux jeunes qui partaient faire des actes terroristes en Syrie. Donc, ça, on ne va pas l'oublier. C'est quelqu'un qui a couvert Israël à fond, qui a couvert toutes les euh, guerres des États-Unis. Il n'est pas le seul OMR, donc euh, faites un petit peu un examen euh, analytique, posez un peu des questions aux gens pour qui vous avez envie de mm. voter, et posez-leur la question, est-ce que vous allez défendre Ali Aras Est-ce que vous allez demander une politique euh, internationale belge qui n'est plus comme ça, à genoux devant les États-Unis, qui n'est plus en train de faire des guerres sans même discuter au Parlement voilà, je crois que c'est le moment d'essayer de peser aussi sur ces décision. Je regarde euh, les commentaires. Dictature amie de la France et de la Belgique. Je pensais que c'était fini au Maroc depuis l'accession du nouveau roi. On va rester aujourd'hui sur euh, la question d'Ali, mais euh, un de ces jours, je vais essayer qu'on parle de nouveau du Maroc dans Michel Midi. Ce n'est pas une surprise d'Ibn ben et sur euh, les concernant les prisons au Maroc. Euh, je n'ai pas compris. De quoi est-il accusé Alors, euh, on peut dire que le mobile utilisé pour l'accusé, le, 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 pour le condamner, euh, il a toujours été question de... Enfin, il y a eu plusieurs raisons. Donc la première, c'était euh, il ferait partie du réseau Belirage. Il aurait contribué à un trafic d'armes qui a été donc amené au Maroc, de la Belgique, en passant par l'Espagne jusqu'au Maroc. Euh, mais c'était les raisons pour lesquelles il avait déjà été jugé en Espagne. Donc le Maroc euh, le juge de la même manière pour les mêmes faits. Mmh. Euh, pour la question des Belhira, j'aime autant dire qu'il n'en est rien parce que après consultation du dossier, il s'avère que nulle part n'apparaît le nom de mon frère dans toutes les personnes concernées par ces réseaux que je tiens à préciser et monter de toutes pièces de toute façon. Mmh. Et, euh, et donc pour la question de, de, de trafic d'armes, mmh. il n'y a jamais eu aucune preuve. Donc, le, il commence, dossier vide. le dossier est vide. Et et il, est, donc, il, a il a été condamné sur base de quoi Sur base d'une série de documents qu'il aurait paraphé, mm -hmm. qu'il a paraphé durant la torture. Donc, donc il a été torturé et il a, il a signé été torturé des torturé choses. Et, et je m'entends vous dire que vous avez eu, vous avez aperçu quelques croquis, mais ils ne sont pas tous là. Donc mmh. euh, je m'entends dire que euh, il suffit de, de peu pour que vous signiez même votre arrêt de mort quand vous êtes euh, torturé. Donc euh, Suite à cela, il est condamné en, en première instance à 15 ans, en appel à 12 ans. Et euh, donc voilà, il est définitivement condamné par la Cour de cassation depuis uniquement 2017. Mmh. Donc il y a eu 5 ans d'attente avant que la Cour de cassation. ne... Donc c'est très très long. La petite ouais. fille qu'on a vue là et qu'on voit dans, dans ses bras là, elle a un an, j'imagine. Amina, là où elle a moins d'un an. Ça veut dire qu'elle n'a pas vu... Elle a quel âge aujourd'hui elle a 13 ans, elle aura 14 ans au mois d'août. Voilà, 14 ans au mois ouais. d'août, ça veut dire que depuis 12 ans, là, quasiment, ouais, elle, elle n'a pas, pas vu son père. papa. Donc, c'est toute une famille qui souffre. Euh, Ali est marié, il a une femme qui est... Euh, du coup, ça ne doit pas être facile pour elle. Ce n'est pas évident du tout pour elle, pour les parents non plus. En fait, c'est toute mmh. une famille qui subit euh, les conséquences terribles d'une arrestation pareille. On, on a eu beau crier qu'il s'agit d'un homme innocent et il n'y a pas de raison et on aurait dû recevoir tout l'appui tout la de la Belgique euh, mon frère n'a aucun casier judiciaire c'est un homme euh, mmh. avec un comportement exemplaire il n'a jamais, jamais rien fait je ne comprends pas la raison il de il avait une entreprise, il avait un revenu tout euh... à fait. donc euh, c'est une obstination à faire plaisir au Maroc oui. alors je voudrais un peu qu'on qu creuse justement euh, derrière toute cette souffrance et cette tortures le Maroc il fait ça pourquoi Moi, je pense que de la même manière que d'autres États, euh, enfin, moi, je considère le Maroc comme le pays sous-traitant. Il maintient, mmh. euh, voilà, ce qu'on leur demande de faire. Sous-traitant de qui Des différents pays d'Europe de, mmh. et, et d'ailleurs, d'ailleurs. États-Unis aussi. Oui. Et je pense que euh, d'une certaine manière, euh, la responsabilité est partagée par tous ces pays mmh. dans, dans ce qu'on appelle la lutte euh, au terrorisme où euh, il y a énormément de dérives, énormément d'injustices commises et aucune réparation. Mmh. Donc euh, on amène des hommes innocents euh, vers la torture, vers l'emprisonnement, vers euh, l'éloignement de ses proches de manière totalement arbitraire. Mmh. Nous, en tant que proches, on, on a beau euh, entreprendre toutes les procédures du domaine du juridique euh, auprès de l'ONU. On a des tas d'avocats, il faut financièrement suivre. C'est une campagne qui doit coûter cher, ça. Très, très cher. Et, euh, et ce n'est pas le plus cher. Le plus cher euh, enfin, relève de, de, de notre santé psychologique mmh. et physique. Et, euh, et malgré ça, on n'a pas de retour par rapport à toutes ces demandes, à toute cette lutte mmh. qui laisserait entendre qu'il y a quelque part une justice ou une écoute, ne fût-ce qu'une écoute. Mmh puisqu'on peut voir qu'à travers euh, la justice belge qui nous qui nous donne raison en première instance parce qu'on nous en tant que binationale oui alors comment ça s'est passé le procès avec la Belgique vous avez cité la Belgique pour non assistance tout à fait quand on a vu qu'il n'y avait euh, aucun enfin, je dirais même un mépris mmh. de la part des autorités belges euh, il y avait aucune écoute on a dû en tant que binationale on a on a découvert qu'on n'avait pas le même droit les articles 1 et 3 des, des conventions des droits de, de droit humains sont entièrement bafoués et nous, nous, nous sommes contraints de, de, de se défendre par rapport à ça et euh, entreprendre donc de, 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 euh, des, démarches. des démarches juridiques qui aboutissent donc à, à un succès quand il s'agit de la première instance mmh. en Belgique. L'État belge va en appel, ce qui est mmh. déjà très étonnant quand on utilise... On essaie le... consciencieusement Pourquoi de réfléchir. Pourquoi est-ce que est si grave, voilà. cette histoire-là Le fait, le fait d'apporter une aide consulaire, un soutien consulaire à un binational, laisse entendre... Nous, eux, nous ont dit, euh, le consul belge nous a dit, que ça laissait entendre qu'ils auraient dû... Des, des, soudainement, ils devaient en fait rendre visite, par exemple, à, à tous les binationaux qui se trouvaient dans les prisons marocaines, chose qu'ils n'était pas prêt à faire et aussi craignait la réciprocité que de la même manière qu'on demande c'est comme si la, la Belgique tortue, torturait et qu'on demandait euh... c'est quand même assez scandaleux ouais. ça veut dire qu'il y a des prisonniers qui n'ont pas les droits que non. la convention des droits de l'homme reconnaît normalement à des prisonniers donc la Belgique s'acharne elle a été condamnée en première instance elle a été condamnée en appel et elle, elle est en allée cassation, en cassation et, et là a... alors que simultanément on prétend qu'on soutient à mon frère. Donc, on, on apporte une aide humanitaire, qu'on apporte même une aide consulaire, mmh. chose qui n'est pas le cas, et qu'on me faciliterait euh, forcément le voyage vers le Maroc. Or, je n'ai jamais reçu au Kiné du Donc, on fait des déclarations en public, mais qui sont fausses. Qui sont fausses. Jolie bande de menteurs. Hein? Euh, et donc, euh, l'hypocrisie va jusqu'à laisser entendre qu'on a écrit une lettre au Maroc demandant euh, euh, l'autorisation de rendre visite à Ali mais que le Maroc se refuse de nous donner ce droit. Mmh. Mais en même temps, on est en train d'introduire, donc on saisit la, la Cour de cassation. La Belgique saisit la Cour de, de cassation. Ce qui, pour moi, est de l'hypocrisie. Oui, oui c'est vraiment euh, faire le contraire de ce qu'on vous dit. On ne nous dit pas que, tout simplement, l'État belge ne souhaite pas apporter une aide consulaire à un binational. Tout simplement, le message est clair. Oui, et puis probablement, tout, comme on l'a dit tout à l'heure, les rapports avec le Maroc et cette histoire, il faut quand même rappeler qu'au niveau de la soi-disant guerre contre le, le terrorisme des États-Unis, il y a eu des enlèvements, des kidnappings, des tortures à Guantanamo et ailleurs, mmh. où les États-Unis ont commis vraiment des crimes abominables en torturant et parfois en rendant complètement fous des gens qui se sont avérés innocents. Il n'y avait absolument rien dans le dossier. On sait aussi que les États-Unis ont sous-traité le, le travail de kidnapper, d'interroger, d'enfermer euh, des gens comme ça euh, avec euh, les fameuses prisons secrètes et les, les vols de la CIA. Donc c'est tout un dossier euh, qu'il faudra creuser. Je signale pour ceux qui se posent des questions sur le véritable rôle des États-Unis dans le terrorisme, que je l'ai abordé dans le livre Je suis ou je ne suis pas Charlie, qui montre comment... En fait, les États-Unis ont mis en place l'opération Ben Laden en Afghanistan, ont continué à utiliser le terrorisme dans une série de pays, Yougoslavie, Caucase, Libye, Syrie et d'autres. Et qu'en fait, c'est probablement ça aussi que on est en train, le message qu'on est en train de dire, c'est on fait ce qu'on veut, vous n'avez aucun droit, les prisonniers n'ont rien à dire, ils n'auront pas de, de protection. Donc, euh, c'est quand même une très, très grande souffrance pour toute une famille. Euh, on a vu la torture, maintenant on va dire qu'il y a une campagne de solidarité qui euh, se déclenche. Ici on a montré les affiches qui ont été faites euh, avec la photo d'Ali. Euh, c'est des comités de solidarité, c'est ça Oui, c'était le comité Free Ali, en fait, euh, lancé par, oui. euh, par les personnes qui m'ont soutenu euh, tout au début, à savoir donc Luc Vervat, Nadine Rosaroso, Nordine Saïdi, Nadia Boumazou que je tiens à remercier en passant pour euh, la confiance qu'ils m'ont euh, témoignée, qui m'a mmh. permis d'aller de l'avant, qui m'a permis de porter toute cette lutte euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, et je tiens à préciser que ce sont des noms qui ont été à un moment donné cités par, euh, par le, moi je catalogue de pseudo-spécialistes sur le terrorisme, qui est, euh, mon Dieu, je ne me souviens même plus de son nom. Euh, en fait, il parlait il parlait lors de lors de euh, une, euh, une émission qu'on avait fait sur Indice avec RTL TVI, mmh. c'était en 2011, mon frère venait d'être extradé par Monique. Monique, oui, quelqu'un homme extrêmement merci. louche. Oui, et qui euh, et que donc avait tenté de salir tous ses noms. En, disant, en, en prétendant que je me faisais soutenir par ces personnes-là. Rien d'étonnant quand il s'agit de soutenir... un Je connais Monique, mon je l'ai affronté dans un débat sur RTL TV, du temps où il n'y avait pas une censure totale à la télé, et je peux dire que c'est quelqu'un de très louche et de très grande mauvaise foi. Ouais. Euh, okay. Bon, il y a donc des actions de solidarité. Oui. Ici, on en a une autre. Ça se passe où et quand C'est tout près du palais de justice, c'est toujours dans les années 2011, je pense. C'était après son extradition à Ali. Euh, on, ou après le, le procès d'Ali où il avait déjà été condamné en appel donc on, on menait une campagne de pour lui, lui de témoigner no, notre soutien mais aussi le fait que la chose la plus importante pour un détenu d'autant plus arbitrairement euh, donc on ne l'oublie pas et euh, c'était toutes des photos en fait qu'on lui faisait parvenir pour le, le garder euh, oui, donc pour lui donner le moral, ici, oui. il y en a une qui est très sympa. Oui. Donc c'est un jeune en montagne qui a fait, euh, s'est pris t -shirt en photo avec son t-shirt. J'imagine que c'est quelque chose qui devait lui faire chaud ouais. au moral. Tout à fait. Et les photos, vrai. là, il les reçoit toujours Actuellement, non, depuis qu'il a été transféré euh, en 2016, novembre, euh, octobre 2016 à la prison des Tiflettes. Il est sous un régime euh, très, très sévère, donc il est en isolement permanent. En isolement, un isolement C'est ce une forme de torture. Oui, c'est une forme de torture. C'est même la pire des tortures, selon Absolument. mon frère. Et donc, il est, euh, depuis novembre 2018, on est passé à, à, on est passé à une catégorie plus, plus, euh, plus sévère, qui consiste à le priver également de tous les courriers. Voilà. Donc, Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Monsieur Renders et tous les membres du gouvernement belge sont complices d'une torture physique et morale extrêmement grave sur un citoyen qui a la nationalité belge. Donc ça, c'est quelque chose dont il faudra se souvenir. Il y a ici encore une image très sympa. C'est des jeunes qui, qui font un message de solidarité. Ça se fait beaucoup, ça a... Oui. Alors, à un moment donné, on avait lancé une campagne de soutien via ces genre de, de photos. Et on a été envahis, je crois qu'il doit y en avoir au moins un millier de photos. Un millier de photos oui, de photos de, venues de toutes parts. Euh, Ce n'était pas uniquement de la Belgique, hein, c'était mm -hmm. vraiment de partout dans le monde qu'on recevait des, sous, des photos de soutien Free Ali now, ou euh, I am Ali, Arras. I am Ali. Mm -hmm. Et donc, c'était des photos qu'effectivement, je, je forwardais, j'envoyais je, à Ali ou bien je rassemblais, je lui ramenais moi-même. Et, euh, et d'ailleurs, il les affichait dans sa cellule. Ah oui, voilà, ça, ça devait beaucoup, beaucoup l'aider. Bien. Euh, on a aussi eu des parlementaires en Belgique qui ont signé une pétition. 34, c'est ça 34 parlementaires. Mm -hmm. euh, c'était, je pense, au niveau de l'assistance consulaire. Donc, on avait besoin d'appui. Et euh, bon, c'était un travail mené par Luc Vervat, où il avait réussi à sensibiliser, mais vraiment, tout un groupe de personnes à Londres. Il y avait même le, le parlementaire qui, je ne sais plus qu est, quel est son poste aujourd'hui, euh, Jeremy Corbyn. Oui, ben, c'est souhaitait... le, le... Corbyn, oui, oui, je l'ai rencontré il y a longtemps. C'est un très, très grand militant ouais, de la solidarité internationale. Et qui avait même demandé grand... à rendre visite à Ali. Oui. Euh, visite qui lui avait été refusée. Voilà, donc, donc une grande différence avec le genre de ministre qu'on a ouais. maintenant. Donc voilà, au niveau des actions de solidarité, alors vous vous demandez, je pense, qu'est-ce que vous pouvez faire Eh bien, il y a deux instruments intéressants à signaler. D'abord, il y a une bande dessinée qui a été faite. La première image, j'ai fait une petite main, erreur technique, mais elle ne s'est pas affichée. Mais la deuxième, ici, c'est un extrait d'une bande dessinée. Ali Arras, que vous pouvez trouver sur Internet certainement, qui, est, qui a été faite en Belgique est, avec de très très beaux dessins. Euh, ça, c'est un, un élément pour faire connaître l'affaire autour de vous. Euh, peut mais peut-être euh, souligner que demain, mercredi à 19h. Oui, euh, j'allais venir. Euh, Il y a une pièce de théâtre euh, qui s'est... Euh, qui vient de se jouer au théâtre national de Belgique, qui en est le principal théâtre ici à Bruxelles. Et euh, vous pouvez nous en dire deux mots. Vous êtes dans la pièce et euh, c'est assez original, je crois. Comment est cette pièce Alors, il s'agit d'une représentation, comme, comme c'est annoncé depuis le départ par euh, Anne-Marie Lou, qui joue l'avocat de de Ali. Mm -hmm. Et qui, qui euh, souligne bien fort qu'il ne s'agit qu pas d'un spectacle, mais d'une représentation. Mmh. Alors, on peut parler de la petite histoire d'Ali dans la grande histoire de, de l'histoire mmh. coloniale, qui est euh, très 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 parlante, qui ne laisse mais vraiment personne indemne. Je pense que toutes les personnes qui sont venues nous voir le, le ressentent bien et nous l'ont fait savoir. Mmh. Euh, que dire de plus, c'est tellement immense. Oui, c'est émouvant. Les gens qui l'ont vu, effectivement, je n'étais pas en Belgique à ce moment-là, mais les gens qui l'ont vu ont été très touchés. C'est une pièce c très forte. C'est un, un travail incroyable écrit par Julie Jaroszewski, qui est la metteuse en scène, oui. euh, avec son assistante Anne Frestat. Julie Jaroszewski. Qui est, oui. menée, euh, est menée euh, vraiment euh, très très bien par un cœur de femme. Mm -hmm. On est plus d'une vingtaine de femmes. Oui. Et, euh, et vraiment, je, je, enfin, je, je leur suis extrêmement reconnaissante par ce travail fourni qui a, fait, euh, enfin, qui a servi, à mon avis, euh, j'en suis convaincue, à conscientiser énormément de personnes par rapport à, à tous les dégâts causés à travers justement l'affaire Dali. On parle de lutte antiterrorisme, mais, mais également euh, dans le monde euh, euh, colonial et tout ce qui s'avère être le lien avec l'ensemble des problèmes. Voilà. C'est très très bien ficelé, et ce serait bien, comme vous avez dit tout à l'heure, voilà. que ça soit... Je vais oui. montrer encore deux, trois autres images de la pièce. Donc il y a celle-ci qu'on a déjà vue, en voilà une autre qui montre la violence dont il s'agit. Euh, si vous avez un commentaire sur certaines des images, vous le faites, sinon voilà. Ici, on voit que c'est très euh, énergique, très euh, puissant. Là, on traverse la République espagnole, la, la, la création de la République espagnole. Mmh, D'accord. Donc, Nadège qui appelle le peuple espagnol à, se, à, à se, bouger. À bouger. Uh -huh. Donc, voilà, il s'identifie en levant le poing et, et là, on s'apprête à écrire une lettre. Euh, donc, c est, c est, c est, je ne vais pas trop en parler parce que... Non, on ne doit pas, pas trop raconter beau, une pièce, enfin, je comprends. Voilà encore une image, on ça, voit que la mise la en scène fin. a l'air superbe. Ouais. Et la fin, c'est ce clôture par un exodus qui traite de Melilla, toujours. Mm -hmm. À la fin de l'histoire, on parle de Melilla en tant que zone euh, du Frontex. Mm -hmm. Et voilà, je m'arrête là parce que c'est beau de le découvrir à travers le... D'accord. Alors, je vais donner l'adresse de contact. Si euh, en Belgique, en France, en Suisse ou n'importe où, vous avez la possibilité de proposer à cette pièce de venir être jouée, je crois que ce serait une très bonne chose pour euh, faire connaître l'affaire, susciter des débats et effectivement sur toute la question du colonialisme et du rapport avec les États-Unis, la France, la Belgique, tout ça. L'adresse de contact, donc je la laisse que vous ayez le temps de bien noter, c'est la baleine noire ASBL. ASBL en Belgique, ça veut dire Association sans but lucratif, la baleine noire, gmail.com Vous pouvez donc vous adresser là si vous souhaitez avoir des euh, infos, faire venir la pièce, etc. Si vous voulez euh, contacter Farida pour organiser euh, des actions de solidarité, poser des questions, apporter vos témoignages et vous joindre à ce grand mouvement de solidarité. Vous avez ici une adresse email, fa789456 at hotmail.com. Je répète, fa789456 at Et voilà, je crois que c'est euh, très important. Je regarde parmi euh, les commentaires que nous avons euh, reçus. Euh, il y a quelqu'un qui disait. Euh, pourtant, je suis binational aussi, et pour la Belgique, je ne suis que belge, ils ne reconnaissent pas la double nationalité. On me répète ça depuis 35 ans que je suis en Belgique. C'est quoi la, la binationalité C'est variable Si oh. Ben, il faudrait que, j'espère que pour lui, qu'il ne découvrira pas ce que ça signifie s'il se retrouve au Maroc face à un problème mm -hmm. et que ben, la Belgique lui refuse son assistance. Ce serait bien dommage. Voilà, c'est euh, Agnès de, qui a envoyé ce message. Je lui conseille de bien se renseigner alors avant de... Faites attention ouais. avant de voyager. Si vous pensez que la Belgique va vous soutenir, il y a des risques. Voilà. Et alors, oui. Manus Cordia qui rappelle que demain soir, il y a la représentation de la bande dessinée. Il y a la présentation de la bande dessinée ah. à l'espace citoyen numéro 4, rue de la Grande-Île. Alors, on va répéter ça doucement, parce que j'avais euh, préparé l'image de la couverture de la bande dessinée, mais il y a un petit souci technique, elle ne s'affiche pas bien. Donc, on va insister. La bande dessinée est présentée demain soir, donc mercredi soir, où à ça 19h, oui. À 19h, à l'espace citoyen, qui oui. se trouve au numéro 4 de la rue Grande-Île, mm -hmm. à 1000 Bruxelles ce n'est pas loin de la bourse très bien, vous avez un Facebook si vous faites bande dessinée Ali Aras vous allez certainement trouver ça et vous pourrez vous joindre pour la solidarité euh, voilà euh, on est très heureux de voir que vous avez été nombreux à nous suivre et à témoigner votre solidarité je pense que ça fait du bien à Farida et à tout le monde on va essayer que les infos passent et je vous appelle évidemment à vous mobilisez à faire pression sur nos dirigeants, parce que Belgique, France, etc., parce que c'est là que ça se passe, c'est là que ça se décide, et vous avez plus de pouvoir qu'on ne croit. Euh, Farida, un mot de conclusion Conclusion, c'est juste peut-être rappeler justement les binationaux, mais mm -hmm. j'espère qu'on qu est bien plus nombreux que ça à savoir euh, qui il est. Mm -hmm. euh, binationaux, donc à la veille des élections, euh, prendre en compte quels sont les partis qui euh, qui soutiennent vraiment enfin moi en tout cas je, je fais attention à, à ne pas voter pour un parti qui euh, qui a négligé euh, de donner sa voix enfin de voter contre par exemple la déchéance de nationalité mm -hmm. et euh, qui aujourd'hui par aujourd'hui par exemple on se retrouve face à une nouvelle loi depuis qui, qui a été votée euh, qui a été une euh, euh, loi votée par Renders ainsi que Goun, mm -hmm. qui a été euh, oui légiféré par eux, qui, 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 qui modifie le code consulaire et qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus droit à l'assistance consulaire. Donc, Allez, important on peut être fiers d'être fier belge avec un gouvernement qui détruit ainsi la solidarité. Voilà, merci ouais. pour ça. Merci un mot pour le public euh, qui était là. Ah ben, merci beaucoup pour votre, votre soutien et euh, je souhaite euh, bon courage à, à tous, enfin, binationaux ou pas, on est tous... Euh, Logé à la même enseigne, donc on doit absolument se soutenir mutuellement. Un merci infini à, à toute personne qui soutient Ali mm -hmm. depuis euh, très longtemps. Et un coucou à Luc, euh, à Nordine, Nadine, euh, tous les anciens, Julie, euh, tous ceux qui ont soutenu de très près l'affaire euh, Aliat. Et, et tous mes encouragements pour votre merci frère. J'espère qu'il sera libéré le plus vite possible. Une affiche pour terminer qui montre bien euh, le message. Vous pouvez nous écrire si vous voulez des contacts avec Farida, si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse ou si vous voulez participer à nos prochains projets. Vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche maintenant. Je vous euh, signale les prochaines émissions de Michel Midi qui sont intéressantes. Le 14, donc mardi prochain, euh, Pourquoi boycotter l'Eurovision euh, de, qui commence le 14 justement, un petit indice, euh, Palestine, vous allez apprendre des choses intéressantes sur le régime Netanyahou. Le 21 mai, je recevrai Bernard Houdin à propos d'un autre prisonnier dans des conditions vraiment très louches, euh, à savoir Laurent Gbagbo, qui a donc été détenu à l'AE sur ordre de Sarkozy et de la France pendant euh, 7 ou 8 années, pour un dossier complètement vide. Le tribunal a été obligé de la quitter. Il est à moitié libre, mais pas tout à fait. Il ne peut pas retourner dans son pays. On va voir pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. Et le 24 mai, là, on aura une émission spéciale sur euh, le Venezuela. J'aurai avec moi Romain Migus, un jeune Français qui a vécu pendant des années au Venezuela. C'est un des meilleurs connaisseurs. Il vit maintenant en France, il viendra me rendre visite à Bruxelles pour ce Michel Midi spécial sur le Venezuela, parce que là, je vous assure, c'est un dossier que je suis de près. On n'arrête pas de mentir de tous les côtés. Je viens encore de recevoir quelqu'un d'entre vous qui m'a envoyé un communiqué scandaleux d'Amnesty qui attaque le Venezuela. Je peux vous dire qu'il y a des choses bien qui se font parfois par des militants d'Amnesty. Mais il y a aussi des choses qui sont complètement louches. Et là, c'est un tissu de mensonges. Romain Migus en parlera le 24 mai. Je vous remercie et euh, on reste en contact pour tous les combats de la liberté et de la justice. À bientôt.